Bon Stéphane, enfin, depuis 2005, tu as enfin un événement MMA, gros événement, Cirque Bormann, bel événement, est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur les moments forts? Bah écoute, en effet, 2 juillet 2005, on est en 2021, 16 ans qu'on fait cette promotion du MMA à travers une discipline qui s'appelle le pancrace, mais on y est enfin arrivé, donc on est assez fiers. On a voulu un petit peu changer de format, on n'était plus sur les gymnases parisiens comme tu as pu le voir. Aujourd'hui, on a choisi un lieu plutôt prestigieux. On a tenté de faire une petite carte édulcorée avec de nouveaux profils comme Ramzan Djembiev qui était très très attendu ce soir. Le retour de Zoumana Cissé, des anciens qui nous avaient fait l'honneur de combattre à différents 100% fight comme Yann Kouadja, comme Joël Kouadja. Après, bien sûr, il y a eu de super combats ce soir avec Sofiane Bougamoun, avec Kroll qui nous a fait un super combat. Et bien sûr, je reparle du combat de Yann Kouadja et Kara Hammoudi. Voilà, c'était juste magnifique. Revanche qu'on attendait tous. Et aujourd'hui, les choses sont claires. Maintenant, je fais un petit big up quand même à Karar qui est un vrai guerrier et qu'on reverra certainement au sein du 100% Fight parce que c'est quelqu'un qui est d'une très correcte et très respectueux. Donc déjà, bravo pour son combat. Et puis voilà, Yann, à force de travail, ça paye. C'est un mec qui lâche rien. Comme je le disais tout à l'heure, il a près de 35 ans maintenant. Il enchaîne une famille. Voilà, c'est tout le mérite pour lui. Il n'arrête pas et il lâche pas. Et je pense qu'on le reverra le 17 décembre prochain. Tout niveau, le standing, le 100% fight, donc Cirque Bormann, ce cadre super joli, hein, vraiment belle lumière, belle salle. Tu as mis en place un système de pay-per-view. Je voulais t'en parler aussi. On a mis ce système de pay-per-view depuis maintenant 4-5 mois. On a essayé de s'intéresser à la vente de pay-per-view pour les gens qui sont chez eux. Ça a plutôt bien marché puisqu'on a pété les scores. On va garder un petit peu le score pour l'instant un peu secret, mais je vous promets que ça a très bien fonctionné et on va le refaire donc le 17 décembre. Et on a tenté ce direct-là, donc il fallait que tout soit chronométré et ça a été génial. Donc j'en profite pour tirer mon chapeau à toute l'équipe du 100% Fight qui me suit depuis maintenant près de 17 ans. C'est pas rien. On avait commencé le 2 juillet 2005 exactement. Aujourd'hui, finir. Continuer l'aventure au Cirque Bormann, c'est juste un grand plaisir. Alors du coup, organisateur aguerri, mais aussi coach aguerri, est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ce soirée, mais du côté coach? Oui, écoute, c'est vrai qu'on a un petit peu cette casquette un peu multiple, j'ai envie de dire. On a monté une équipe il y a maintenant près de 20 ans qui s'appelle la Hatch Academy. On a voulu en faire la promotion. Il fallait trouver un concept. On a monté donc l'événement Road to the Contenders 100% Fight pour essayer de mettre en lumière mes combattants. Au fur et à mesure des années, je me suis entouré des meilleurs avec Arnaud Templier, avec Boris Johnstomp, avec Johnny Frachet, avec maintenant Cut qui nous a rejoint pour le sol. Voilà, on a vraiment une vraie équipe avec aussi un des pionniers qui s'appelle Jean-Louis Alberche, que je n'oublierai pas, qui est mon ami d'enfance et qui a démarré avec moi l'académie. Aujourd'hui, on a près de 25 pros. C'est juste magnifique. Donc, petit clin d'œil aussi à Saladin Parnas, William Gomez, Fabacar Ediata, Selim Guiori, Zoumana Cissé, qu'on a vu ce soir malheureusement. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on a une grosse, grosse écurie. Et on a ce qu'il faut tout autour. Et c'est que le début. Voilà, je vous annonce juste, c'est que le début. Alors du coup, tu peux revenir un peu sur les combats justement de tes combattants, la Hatch Academy? Alors pour ce soir, on va commencer par Ramzan Djembiev qui avait une très très grosse pression parce qu'il était attendu depuis maintenant ça fait un an et demi qu'il s'entraîne chez nous. C'est vrai que son niveau a vraiment évolué, on le voit faire des shadows sur Instagram et on se dit qu'est-ce qu'il vaut. Moi je peux vous dire que le gars il a des grosses frappes, son striking reste encore à peaufiner, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais il a une belle lutte, il a un bon travail au sol, il a un grindin de pond avec une force de frappe phénoménale. Il l'a prouvé ce soir, il le prouvera encore le 17 décembre prochain. Et voilà. Et puis on a enchaîné avec son cher collègue Rustam qui a rejoint la Hatch Academy avec un score de 6-2. Aujourd'hui maintenant il est à 7-2. Voilà, c'est des Tchétchènes qui ont faim. Et à force de s'entraîner, ils ont compris que voilà, ça finissait par payer. On enchaîne après avec Yann Kouadja,
On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Yann Kouadja qui approche les 35 ans, qui s'entraîne quasiment tout le temps et qui a progressé, qui fait que de progresser. Voilà, donc c'est chouette pour lui. Et aujourd'hui, ça a payé. On a son frère, Joël qui est maintenant au club depuis près de 7-8 ans et qui ne cesse, pareil, de progresser sur les parties où il n'était pas tellement aguerri comme le sol ou la lutte. Bah aujourd'hui, il n'y a personne qui tente de l'accrocher parce que derrière, il a une force de frappe énorme. Et puis après, voilà, on a Zoumana Cissé, malheureusement, qui clôture le bal avec une défaite. Voilà, on va essayer de faire un bon débriefing avec toute l'équipe et faire en sorte qu'on puisse rebondir très très vite. Voilà, parce qu'il a un gros potentiel. Et là, ce soir, on n'a toujours pas compris, donc on va retravailler sérieusement. Ouais, on a vu Zoumana, ouais, effectivement, 4 ans d'absence, il revient face à un combattant plus grand, plus musclé, moins lourd par contre. Il y avait une stratégie élaborée. Bah, la stratégie, c'était de tenter de le garder en boxe. Après, on n'a pas compris pourquoi il est parti se coller. Se coller, c'est bien parce que il a une forme de corps qui lui permet de pouvoir récupérer quand il est au contact. Mais le souci, c'est que derrière, on a rien proposé. Et sa force, faut dire, sa force, c'est le striking. Et aujourd'hui, il a préféré se coller plutôt que de striker. Alors, je pense qu'on serait pu se concentrer là-dessus, serait pu faire pencher la balance. Malheureusement, ça s'est passé différemment. Du coup, prochain événement le 17 décembre. Bon, on sait déjà d'office qu'il y aura Ramzan. Oui, on l'a annoncé. Si on l'a annoncé, c'est qu'il sera là. Donc oui, il sera là. Et là, on est sur un combattant qui aura beaucoup d'expérience dans un domaine. Et puis on verra ce que ça va donner. Parce que là, je pense que le niveau, on va passer un petit cap et voir ce que ça donne sur un niveau plus élevé. Et est-ce qu'il y a d'autres noms déjà qui sont signés ? Non, pas de noms. On a Yann qui a envie de revenir. On a son frère, c'est pareil. Et puis après, ce sera la surprise. On a une grosse team qui est là derrière, la Chapakente. Il y a plein de gens qui sont intéressés. Maintenant, il faut faire le tri là à partir de lundi. Et on proposera une carte dans les 15 jours qui viennent. Ok. Du coup, prochain événement, toujours au Cirque Bormann. Maintenant, ce sera toujours au Cirque Bormann, c'est ça ? Alors nous, on a un contrat avec le cirque sur 6 événements. Maintenant, il faut savoir que c'est qu'entre ces 6 événements-là, je peux proposer un 7e événement sur une très grosse salle. Et c'est ce qu'on fera certainement aux alentours du mois de février-mars. Et toujours à suivre en pay-per-view. Et voilà, le pay-per-view, on ne va pas le lâcher. Après le score qu'on a fait ce soir, on peut pas le lâcher. Ok, merci Hatch, félicitations pour cette belle soirée encore. Content de te revoir et de le voir enfin le MMA arriver sous la bannière du 100% Fight. Donc au 17 décembre. Ciao. Merci à toi Olivier et merci à Boxmag. Stéphane Chauffourier, Hatch.